Je fais la vaisselle de Philippe Delerme. Je fais la vaisselle. De temps en temps, je relève la tête et regarde par la fenêtre au-dessus de l'évier. Le jardin est encore nu, les branches du vieux cognassier, vert de grisé, déploient leurs tentacules sous un ciel un peu mauve, comme si l'orage allait se lever. À France Inter, une émission sur les enfants autistes. Une mère raconte l'enfer qu'elle a connu avec sa fille, l'hôpital psychiatrique, la cellule, les électrochocs, et puis la mort. Je me sens soudain si dérisoire avec mon envie de dire les choses bonnes. La maman explique qu'elle a éprouvé le besoin d'écrire un livre sur cette part de sa vie. Elle n'analyse pas les raisons qui l'y ont poussée, ne parle pas de catharsis, d'oubli ni de mémoire. On sent que ce qu'elle a connu est tellement au-delà de toute psychologie. Une averse de grêle cingle les carreaux. Les mains mouillées, la vaisselle terminée, je reste là, à écouter cette voix douce et forte qui dit à présent. C'est drôle, je me suis mise à écrire le livre et les seules choses qui me revenaient, c'étaient les bons moments.